les verbes et les prépositions, because many persons have been asking me if it would be possible to actually make videos regarding this topic. So I will put here the first one and then we'll see when I will do the second one, third one, etc. Okay, so let's see. And then, well, first thing that, well, clearly we should have in mind are les mots clés, so the keywords that we will use, because when we're talking about preposition or construction, I will tend to use these words actually quite often. So quelqu'un, it's actually for someone or somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere or someplace. Okay, so let's see the first verb, and the first verb that we'll see is accepter. Okay, and you can see here the three constructions possible. The first one, accepter quelqu'un, quelque chose. And then accepter de plus infinitif, all right? And then accepter que plus subjonctif. D'accord? Donc accepter quelqu'un, accepter quelque chose, accepter de plus verbe à l'infinitif, accepter que plus verbe au subjonctif. Deuxième verbe, accompagner. Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or then it's possible to use this. Accompagner quelque chose de quelque chose. Ok? Accompagner quelqu'un, accompagner quelque chose. Or then, accompagner quelque chose de quelque chose. Verbe numéro 3, admettre. Admettre. Admettre quelqu'un, admettre quelque chose. Well, then it's possible to construct it with admettre plus infinitif, verbe à l'infinitif. Or then, admettre de plus infinitif, en général, forme négative. So in general, if you want to use this structure, then in most of the cases, you will use this admettre at the negative form, okay? Admirer. Admirer, okay? So, first one, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Okay, so in that case, so of course, each time I say quelqu'un or quelque chose, it does mean that we don't have any preposition. Okay, admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. All right, or then admirer que plus verbe au subjonctif. Okay, donc admirer, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif, then admirer que plus verbe au subjonctif. Adorer. Adorer. Adorer quelqu'un, adorer quelque chose. Then adorer quelqu'un de plus infinitif. Or then it's possible to use this adorer plus verbe à l'infinitif. And the last, but not the least, adorer que plus verbe au subjonctif. Affirmer. Affirmer. Première possibilité, affirmer quelque chose. Pas de préposition. Or then, affirmer plus verbe à l'infinitif. And then, affirmer que plus verbe à l'indicatif. Okay, remember, you don't put subjonctif in that case, even if you introduce it with que, but then you put indicatif. Aider. First option, aider quelqu'un. So no preposition there. Aider à quelque chose. And then, aider quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive. Aider quelqu'un, aider à quelque chose, or aider quelqu'un à, and the verb at the infinitive. Aimer. Aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. And then it's possible to just put a verb at the infinitive form after. Aimer plus infinitif. Ok? Then, aimer quelqu'un de plus infinitif.
and the last one, aimer que plus subjonctif. And in most of the cases, we tend to use this structure when the verb aimer is conjugated at the conditionnel passé, conditionnel présent form. Okay, so aimer and then conditionnel at the conditionnel present form plus que plus subjonctif. Okay, so quelqu'un, quelque chose, and then with an infinitive form, quelqu'un de plus infinitif, or then que plus subjonctif. Aller, aller quelque part. So in that case, I've been listing few prepositions, okay? En, au, dans, à, sous, sur, etc. Okay? Then, aller plus infinitif. Or then, if you want to talk about the place where someone is living, then we put this chez, okay? Chez quelqu'un. Okay? Aller quelque part, aller plus infinitif, aller chez quelqu'un. Annoncer. Annoncer quelque chose à quelqu'un. Okay? Annoncer quelque chose à quelqu'un. And then, annoncer que plus indicatif. Okay? Same thing here. Even if you've got this que, then you don't introduce this subjonctif, but it's just indicative form.